Bonjour, je m'appelle Roxane, je suis arrivée à l'ambassade en février et je vais rester jusqu'en août pour travailler sur le projet Ambassade Verte. Le projet Ambassade Verte vise à réduire l'impact environnemental de l'ambassade. Et donc on a entrepris une démarche très globale autour de l'eau, de l'énergie, de la biodiversité, de la mobilité, de la gestion des déchets ou encore des achats durables. Alors une des premières étapes du projet, c'est de réaliser un audit énergétique et un bilan carbone de l'ensemble des bâtiments du campus, qui permettront ensuite d'évaluer les améliorations qui ont été engendrées par le projet. Et par exemple, on a également envisagé plusieurs actions, comme un aménagement plus écologique du parc, parce qu'à Hanoï, on a la chance d'avoir un parc très grand, en plein centre-ville, et très visible lors des événements ou des visites. Pas du tout, on envisage des partenariats avec des associations locales, des ONG, des entreprises locales ou françaises, parce que ce projet, c'est aussi un bon moyen pour les entreprises de montrer leur savoir-faire en matière de développement durable. Et il y a également l'ensemble des agents qui sont impliqués dans la démarche, parce que c'est la clé de réussite pour un tel projet. Il faut vraiment que tout le monde s'implique et que tout le monde joue le jeu. Alors moi, j'ai fait un DUT génie thermique énergétique à Lorient. Et là, je vais bientôt être diplômée d'une école d'ingénieurs, donc l'INSA de Strasbourg, l'Institut National des Sciences Appliquées, en spécialité génie climatique et énergétique. Pas du tout, parce que ma formation a été toujours axée sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, et notamment tout ce qui concerne les installations techniques liées aux climatisations, à la ventilation, au chauffage, etc. À nous de jouer!